Chers amis, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis le grand, l'illustre, l'intrépide et le bourgeoisque à la page pour vous servir. Et toujours en compagnie du grand, du beau, le magnifique, le bourgeoisque et le plus bullshité, Valmore 333. Deux minutes, je règle mes options. Ah, oh, ça y est, tu commences déjà à tout bourgeoiser. Alors bonjour à tous les amis, on se relance la partie, c'est parti, Valmore 333 pour le plaisir et pour le carton beurre. La nouvelle matière donc qu'on vient de découvrir et qu'on intégrera dans notre formule. Tout à fait, dans notre formule chimique. Et on s'était questionné sur la dernière fois sur la construction du Titan. Oh il est beau mon Titan. Tout à fait. Cette fois-ci, tu vas pas venir me le poutrer juste avant la fin. Comment ça? Comme t'as fait à l'autre qui a rage quitte. Ah oui, tout à fait, oui. Il a rage quitte. Ah ouais, c'était fou. Non, c'est fou, ça. Alors, attends. Frégate Protève. Et une autre frégate Protève. Son chiant à me piquer mes ressources. Tiens. Bah il me pique les extracteurs qui m'appartiennent, mais maintenant qu'ils ont tous les deux abandonné, ils vont pouvoir me les laisser. Planet development finished. First time. Était sous sa coupe. Ah oui. Il régnait ici en leur nom. Mais il n'a pas servi le carton. Il les a bulgurisés. Et comme eux, ils cherchent un moyen de revenir. Where to, Commander? Oh, c'est bientôt la fin. Vous ne pensiez tout de même pas être unique. Il était le premier enfant de carton. C'est ce que j'allais dire. Bon, vous poutrez ce qui reste là, maniez-vous. Pourquoi je vous paye, bande de petites salopes? 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 15, 9, 26, 8, 32, 7, 4, 3, 2, 1. Le Titan est là. Non. Ah là oui. A Titan. A Titan qui a rejoint la flotte. Alors là les amis. Ils ont plus le droit de coloniser vu qu'ils ont abandonné les violets, du coup bah merci pour l'extracteur gratuit. Voilà, il s'appelle correctement maintenant. Il s'appelle, attention, on va aller sur Solstice pour le voir. Regardez, chers amis, regardez-le, il se tourne vers moi en plus. C'est mignon. Fais bonjour à la caméra. Annie, la Toria. C'est beau, c'est beau. Alors, il faut savoir, hein. Parce qu'il faut... Il faut le savoir. Okay. Il faut que tu m'envoies des croiseurs émissaires Herald. Pour augmenter nos relations, sinon je peux pas faire les pactes avec toi. Et il faut surtout savoir aussi que... attends, du coup je vais attendre. Pourquoi je vois plus les nuages, moi, du coup? Ça doit être dû au fait que j'ai pris ta sauvegarde hier. De quoi? Que je vois plus les nuages violets, moi, derrière. Ah, peut-être. Utiliser un fond coloré pour l'espace, bah oui. Ah, ça y est, ils l'ont remis. En fait, fallait que je réactive attends. L'option. Voilà, chers amis, on l'a retrouvé. Le fond tout violet. Désolé pour ce petit bug de l'infini. D'ailleurs, on va en profiter pour bulgoriser. Si tu n'en vois pas d'inconvénient. Ils sont en train de poutrer, eux. Mais c'est bien, ah, c'est, voilà, bon. C'est votre travail. Alors, excusez-moi, chers amis, je vais régler juste deux petites choses. Ouais. Ça, on s'en fout. Ça, c'est du propre. Ça, c'est pas la bonne résolution, ne croyez pas que c'est comme ça.
C'est parce qu'on a été obligé de faire une résolution personnalisée. Du coup, il fait comme si on était dans cette résolution-là. Or, nous ne le sommes pas. Filmé. Partie filmée. Les parties enregistrées. On le fait nous-mêmes, hein, y a pas besoin d'utiliser le... Sur Minerva, il se passe quoi? Bah... Oui, y a rien, une frégate protève. Ouais, mais elles peuvent pas coloniser, elles. Elles ont pas le droit, normalement. Ah si, putain, les petites salopes, elles continuent de le faire. Bon, bah, je vais envoyer des petites frégates. J'ai un croiseur de combat. Corsève. Chers amis, le Daggerfall vient de passer niveau 5, à ce que j'ai vu. D'ailleurs, est-ce que j'ai renommé le croiseur? Il est où? Il est là, le croiseur. Non, il est pas renommé, il s'appelle le Titunev. Et c'est trop moche. Le Arena. Il est où mon vaisseau procréateur, déjà? Il doit être là-dessus. Dans ton cul. Ah, c'est possible. Tu vas au fond, tu tournes à droite, puis tu prends le rond-point à gauche. Tout de suite sur ta droite, tu vas tomber sur un stop. Tu laisses passer les voitures. Tu continues tout droit et normalement, tu le trouves. Gaïa. Gaïa. Qu'est-ce qui se passe sur Gaïa? Oui, rien. Bah c'est moi Gaïa, c'est moi qui m'en occupe. Je suis en train de tout poutrer. Enfin, de tout cartonifier. Je gagne pas mal là. Hein. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai tout acheté en extraction? Ouais, c'est bien. Du coup, ton TDN, tu peux le virer. Hein. Ton pas titan. Il est où? Lyubov. Il va rejoindre la flotte sur Gaïa, il va passer par Aleria, comme ça, la flotte le rejoindra après. Oh, j'irai bien, moi, sur la base des pirates. Sur Com? Ouais, c'est pas encore mes amis, je crois. Eh ben, si tu veux, je t'en ferai compte. Ah, si, c'est mes amis. Je peux pas. Je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, ils peuvent plus me mettre de prime. Regardez le déplacement du Titan, les amis, c'est beau! Port commercial sur Gaïa, raffinerie orbitale sur Gaïa, usine de frégate. Comment ça, pas d'emplacement logistique? Non mais... Vaisseau amiraux. Qu'est-ce que je peux me mettre d'autre? Un deuxième port commercial pour plus d'argent. Ah non, tiens, un truc que j'ai pas encore inventé. Centre de diffusion. Et on va en faire un ici. Attention. Hop, et on va remettre un port commercial à côté de l'autre. Pour plus de l'argent. C'est ça, exactement. Sur Capaneus, on va mettre... Qu'est-ce qui me manque déjà? Est-ce que j'ai tous les 7 structures? J'en ai pas encore 8, il me faut une planète en plus pour ça. Sur Capaneus, on va mettre... Ah, j'en ai déjà mis sur Capaneus. Mais on va mettre un port commercial sur Capaneus. Gratuité. Pour plus d'argent. Quoique, port commercial... Non, pas port commercial. C'est pas une grosse planète. On va plutôt mettre une raffinerie. Pour plus de raffinage. Ça y est. Bon, alors, les copains, on va aller sur... Aaron. J'en ai marre de pas avoir assez de flouze, là. C'est fou. Raffinerie. Voilà. Déplacement asynchronisant. Tout à fait, mon cochonesque. Mon cochonesque cochonifié. Centre de diffusion.
Ici, on va ajouter un port commercial. Tant pis. Ça en fera un petit peu de commerce par ici. Ah, vous êtes prêts? Vous êtes radis, mes salopes? Non, mon vaisseau amiral il n'est pas encore prêt. C'est bon. Mon croiseur. Outre-moi ce petit machin là. C'est un ordre venant de ton commandant de mission. Je dois t'attaquer plein de Zantra. Qu'est-ce qu'il y a Zantra? Oh du bleu. Ah, je crois que il y a des gens qui cherchent la merde. On va aller sur Aleria et on va s'occuper d'eux juste après. À Aaron, il y a des extracteurs dessus. À Aaron, c'est où ça? Bah là où il y a un peu de ma. Ah oui, oui, je vois. Oui, mais tu vas pas pouvoir les garder longtemps. Et puis tu peux pas les coloniser avec un procréateur. Il te faut forcément un vaisseau missionnaire. Non, mais t'inquiète pas, je viens juste pour les poutrer. En fait, je viens juste pour faire chier. Tu peux pas les poutrer, ces trucs-là. Regarde, il y a marqué dessus, invulnérable, peut être capturé, ne peut être recyclé. Et ben alors, on va aller sur... Putain, je peux aller où? Mais regarde combien ils peuvent combien ils donnent par seconde. Ah mais tu peux pas voir là, mais si t'appartenais, tu saurais combien ils donnent. C'est pas qu'un peu qu'ils donnent ces trucs-là. C'est vrai? Ouais, même s'ils sont tout seuls comme ça, ils donnent vachement. Et ben j'envoie mon missionnaire dessus. Bah c'est une idée. Bon, vous me le poutrez cette saloperie là? Je veux plus le voir, Titan. Un petit coup. Hop, c'est réglé, merci. Tous sur Aleria. Allez, on y va, c'est parti. Oh, sur Aleria, il y a de la flotte, là. Ouh, il y a du monde. Plaisir totalissime, chers amis. Allez, on se met en formation. Et on rentre dans le tas. Le Titan va arriver tout de suite. J'ai bien fait de l'amener. Il est sur... il va sauter de Minerva à Aleria pour rejoindre... Regarde le combat qui s'annonce. Ah oui. Ça y est, il arrive, il va sauter, là. Allez, saute. Ah, le croiseur a sauté. Suivi du Titan, ils arrivent. Tenez le coup au moins le temps qu'ils arrivent. Poutrez-les. Oh, c'est beau, chers amis. C'est beau, ce qu'on fait. Le Titan qui arrive, il va prendre le commandement de la flotte. On va refaire la flotte tout de suite, dès qu'il arrive. Hop. Et c'est le Titan qui commande. Attention, le Titan se tourne. Ça y est. On saute. Ah. Non, ils refusent de partir. Apparemment, ils veulent continuer le combat. Ils croient vraiment qu'ils sont en position de force. Sauf qu'ils vont se faire poutrer et ça va donner de l'XP gratuite. Surprise. Allez, vas-y, Titan, à toi de jouer. Celui-là, il est foutu dès que le Titan va se mettre à tirer. Gratuité. Ouh, lui, il est foutu. Le deuxième, maintenant, vite. Ils essayent de désactiver les capacités de mes vaisseaux. Ils oublient le Titan qui est loin derrière à tirer. Oh, c'est beau ce qu'on leur met là, chers amis. Les boucliers du Morrowind sont tombés, mais il va tenir le coup, j'en suis sûr. Ah, quoique, il est quand même pas mal endommagé. Faites demi-tour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une compétence toute flasque. Toi, recule aussi. Ouais, on va restaurer l'unité du monde. Oh, la musique, elle est bien en plus. C'est une musique advent. Oh, ils se font poutrer. Autant qu'ils partent là, parce qu'il va se faire poutrer toute sa flotte de vaisseaux amiraux. Moi, juste si je sens qu'il y en a un qui est trop en danger, je le fais partir. Le Morrowind, il est trop en danger. Retraite! Le croiseur Arena, il est trop en danger aussi. Retraite. Retournez sur Gaïa, vous serez bien. Vous serez accueillis et vous pourrez vous réparer. Ah, ils font demi-tour. Ils abandonnent.
On les lâche pas. On les lâche pas, chers amis. Ça y est. Il faut les encastrer. Je parie qu'il va y avoir... Putain, il va y avoir du monde là-dessus. Oh la vache. Oh putain, oui, il y a du monde. Sur quelle planète? Oh la vache. Sur Eos. Ah non, c'est des mines. C'est presque que des mines, mais il n'y a personne sinon. Et il y a une base très améliorée, fais attention. Titan multitâche. Il fera pas la feuille, il fera pas la... le poids face à la base spatiale. Il est trop bas level pour l'instant. Allez, poutrez-le avant qu'il saute. Putain, il était presque détruit. Non, non. Our cannon is itching for a target. C'est fou, on va les suivre, je m'en fous. Je les suivrai jusqu'à avoir poutré le dernier de leur vaisseau amiraux. On s'en fout. Alors Fortuna, une Protève. La Protève sur Zestra tout de suite. Sur Minerva, la Protève, elle est toute seule. Parfait, c'est ce que je voulais. Allied forces has been attacked. Mais qu'est-ce qu'il me veut le petit le porteur classe Sova? Bah, le porteur classe Sova, là, tu le poutres. Ah, j'en ai un, moi aussi. Un porteur Tiens, Sova. Mange. C'est parti, multitâche. Non, il va fuir. Jamais il va se battre contre toi, il a pas d'arme, pratiquement. Il a presque aucune arme pour se battre. Multitâche. Il peut pas faire grand-chose, il va être obligé de partir. Capacité désactivée, oh, tu l'as poutré. Il peut plus bouger. Allez, mange. C'est beau. Allez vous réparer, vous deux, là. Vous êtes gravement endommagés. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Poutrez-le. Il avait qu'à pas passer par là. C'est lui qui a poutré ma Protev sur l'autre planète. Poutrez-le, le laissez pas partir. Il est foutu, c'est bon, il est fini. Ça y est, 35 PV, 67. A pu. Vengeance.